midi à tous. Je me présente, André. Je suis professeur de yoga au Saturnino Sport Yoga de Visé. Je suis très heureux de partager cette séance avec vous, que j'ai quelque peu adaptée pour pouvoir faire ça en toute tranquillité, parce que je vous rappelle que le yoga doit être pratiqué pour se faire du bien et surtout pas pour se torturer. On commencera par la salutation au soleil, ensuite le triangle en torsion, puis la table à deux pieds, on terminera par Apanasana. Je vous expliquerai tout à l'heure. Je vous invite à vous lever. À venir en samasthiti, je vous rappelle ce que c'est, samasthiti. Les pieds sont relativement rapprochés, ils sont parallèles. Fermez les yeux un moment. Ressentez la terre sous vos pieds, ancrez bien la plante de vos pieds sur votre tapis. Retrouvez une belle verticalité en démarrant de la pointe des pieds, en montant doucement tout le long des jambes jusqu'au bassin. Remontez tout le long de la colonne vertébrale jusqu'en haut de la nuque. Poussez le sommet du crâne vers le ciel. Laissez légèrement redescendre le menton. Et dans un premier temps, écoutez-vous simplement respirer, tout à fait normalement et tranquillement. Je vous rappelle qu'en yoga, on respire uniquement par le nez. Placez une main sur le ventre, votre main sur la poitrine. Sentir votre respiration. On inspire, la poitrine se gonfle, puis le ventre. Et à l'expire, le ventre se dégonfle en premier, et seulement la poitrine. Inspire, la poitrine se gonfle, les poumons se remplissent, puis le ventre se remplit, et se gonfle. Et à l'expire, le ventre se dégonfle, les poumons vers le poumon. La poitrine se dégonfle à son tour. Je vous invite à pratiquer ceci quelques fois. Essayez autant que possible d'allonger votre expiration, qui en principe doit être un peu plus longue que l'inspire. Théoriquement, cette respiration, ce mouvement, devrait se pratiquer pendant toute la séance. Chacun fait ce qu'il peut comme il peut.
surtout jamais vous forcer. Il vaut mieux même s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Mieux vaut une fois trop tôt qu'une fois de trop. Vous êtes là pour vous faire du bien. Je vous invite à doucement ouvrir les yeux. Vous allez pratiquer la salutation au soleil. Comme d'habitude, je vais d'abord vous la montrer une fois, puis je vais la guider deux fois, et enfin je vous laisserai pratiquer deux dernières fois à votre propre rythme et en suivant votre respiration à votre place. On viendra se placer à l'avant sur le tapis. On place les mains en namasté au niveau de la poitrine, les pieds solaires. Sur un inspire, je monte les mains jointes vers le ciel, je me tire vers le haut. Expire, je déverrouille les genoux, je descends sur la perche de l'eau. Inspire, viens placer le pied droit loin derrière. Je me redresse légèrement. Expire, je viens dans le chien un peu en bas. La tête à l'intérieur des bras, elle n'est pas extérieure. À l'intérieur des bras, je regarde mon mobile. Je le défends en vide. Je descends sur le ventre. J'inspire sur place, j'expire sur place, inspire, je viens dans le chien tête en haut, expire, je viens dans le chien tête en bas, inspire, je ramène mes pieds droit devant, je me redresse légèrement. Expire, je remets les deux pieds à un côté de l'autre, je repince. Expire, je monte d'abord les bras jusqu'à hauteur d'épaule, puis je me redresse entièrement, je viens joindre sur les mains. Expire, je remets doucement les mains au niveau du plexus solaire. J'inspire sur place. Expire sur place et puis je repars. Je vais vous guider. Vous venez à l'avant de votre tapis. Les mains jointes. Au niveau de la poitrine. Inspire, je mets les mains vers le ciel. Je mets les pieds vers le haut. Expire, je déverrouille les genoux. Je descends dans la pince. Inspire, je vois loin derrière. Je me redresse légèrement. Expire. Je viens passer le côté à l'arrière. Je viens dans le chien tout en bas. Attention. J'expire sur place. J'expire sur place. J'expire. Je me reprends dans le chien tête en haut. J'expire. Le chien tête en bas. Je monte les mains à droite.
expire, je vais dormir les genoux, je descends dans la pince. Inspire, je place l'autre pied derrière. Expire, je viens tout en bas. Inspire, une tension vide, pardon, je viens par en haut. J'expire sur place. J'expire sur place. J'inspire pour mes orteils. Chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'expire, je ramène un pied devant. Je me redresse légèrement. J'expire, je me pince. Le bas, le du corps, bien joindre les mains, inspire, au niveau de la pratique, inspire sur place, expire sur place, et je vous laisse pratiquer deux fois de suite. Pensez à bien suivre votre respiration. Appuyez en douceur, sans forcer. Si vous loupez une étape, ce n'est pas bien grave. N'oubliez pas que c'est le mouvement qui suit la respiration et non l'inverse. Votre respiration est lente, le mouvement est lent. Si la respiration est un peu plus rapide, le mouvement est un peu plus rapide. Appliquez bien en douceur. Respectez votre corps. Vous êtes là pour vous faire du bien, pour lui faire du bien. Quand vous aurez terminé, vous reviendrez en Samasthiti, avec le pied parallèle, relativement rapproché, le bras le long du corps, fermez les yeux un moment, ressentez les effets de ce que vous venez de pratiquer. Du bassin, peut-être au niveau des bras ou des jambes. Ralentissez votre respiration si elle s'est accélérée. S'il y a des endroits tendus, essayez d'y envoyer votre expire, l'expiration détend. Je vous invite à présent à doucement ouvrir vos yeux et nous allons passer à la pratique suivante. Donc, on va pratiquer la deuxième posture qui est le triangle en torsion. Donc, comme tout à l'heure, je vais d'abord vous montrer une fois, puis je vous guiderai deux fois, et puis je vous laisse le faire deux dernières fois à votre aise. Je vous montre, on écartera les pieds au maximum. Dans un premier temps, les pieds sont parallèles. Dans un deuxième temps, faites pivoter vos deux pieds à 45 degrés, c'est-à-dire que la pointe des pieds se dirige vers le coin du tapis, d'un côté comme de l'autre. Sur un inspire, on va monter les bras en horizontale. Sur l'expire, je plie le genou gauche. Je viens placer la main droite à l'extérieur du pied gauche. Si c'est trop difficile pour vous, je vais la déposer sur le pied, sur le mollet. Vous regardez vers l'arrière, vous placez l'autre main dans le bas du dos.
pour l'inspire, pour remonter les bras à l'horizontale. Expire, plier le genou droit. La jambe gauche reste en ligne. Je viens passer la main gauche à droite du pied droit. Je regarde derrière moi. Ma main droite est dans le bas du dos. Inspire, je me redresse doucement. Expire, je ramène les bras. Ici, on fera un inspire, un expire, et on redémarre. On vous invite à écarter les pieds, les jambes, un maximum. Les pieds sont parallèles. Dans un deuxième temps, pivotez les pieds à 45 degrés. Les pointes des pieds se dirigent vers les coins avant du tapis. Les bras sont le long du corps. Inspire, je monte les bras à l'horizontale. Expire, je plie le genou gauche. Je viens passer la main droite à côté du genou. Je ne prends pas pendant le bas du dos. Je me garde derrière moi. Inspire, je me redresse. Les bras à l'horizontale. Expire, je plie le genou droit. Ma main gauche est à l'extérieur de mon pied droit. Ma main droite est dans le bas du dos. Je me garde derrière moi. Inspire, je me redresse. Bras à l'horizontale. Expire, je ramène les bras au niveau du corps. J'inspire sur place. J'expire sur place. Inspire, j'écarte les bras. J'expire, je plie le genou gauche. Je sens la main droite à l'extérieur du pied gauche. L'autre main en bas du dos. Inspire, je redresse. Expire, je descends de l'autre côté. Je genou droit. Inspire, je me redresse. Bras à l'horizontale. Expire, je ramène les bras le long du corps. J'inspire sur place. J'expire sur place. Je vous laisse poursuivre encore deux fois à votre aise. Ne forcez pas, pratiquez en douceur, faites-vous du bien. Pensez à respirer calmement. C'est le mouvement qui suit la respiration et pas le contraire. Donc si votre respiration est lente, le mouvement est lent. Si votre respiration est un peu plus rapide, le mouvement est un peu plus rapide. L'un ne va pas sans l'autre. Terminer à votre aise. Quand vous aurez terminé, je vous invite à vous allonger sur le dos pour un petit moment de repos. Je vais m'allonger comme vous. Les bras sont légèrement éloignés du corps. Les paumes des mains sont dirigées vers le ciel. Les pointes des pieds tombent vers l'extérieur. Ici, à la posture du Shavasana. Bien que ce soit une posture un peu plus haute, ça reste une posture de l'homme. Donc, je vous ai mal vu le petit de la nuit. Légèrement le menton. Et je respire calmement.
Parce que pardonner uniquement l'inspire, c'est d'abord le premier, la partie qui se gonfle, et seulement le ventre. L'expire, c'est d'abord le ventre qui se dégonfle, lui seulement la partie. Respirez à votre aise, tranquillement. Je vous invite. Si vous avez des tensions ensuite aux deux pratiques précédentes, essayez d'envoyer votre expiration à ces endroits. L'expiration détend. Donc je vous montre d'abord une fois. Puis je vous dis deux fois, puis vous pratiquez deux fois ça. Je vous montre d'abord, je ramène les deux pieds à plat sur les fessiers. Vous pratiquez la plante à deux pieds. Sur l'inspiration, je monte mon bassin vers le ciel. Je vais déposer doucement. Je ne vais pas les mettre pour accueillir la tête. Et sur l'expiration, je ramène le bassin du tapis, je ramène les bras le long du corps. Je te guide. J'inspire, je monte le bassin vers le ciel. Je vais doucement placer les bras et les mains loin derrière la tête. Expire, tout le long de l'expire, je ramène le bassin sur mon tapis, les bras le long du cou. Inspire, je monte le bassin, je vais passer le premier derrière la tête. Expire, le bassin sur mon tapis, je ramène les bras le long du cou. Je vous laisse pratiquer encore deux fois à votre aise. Pensez à faire des mouvements lents, à respirer calmement. C'est le mouvement qui suit votre respiration et pas le contraire. Je vais terminer à votre aise. Vous pouvez de nouveau vous allonger. La même posture que tout à l'heure. Ça s'appelle Shavasana. Les bras légèrement écartés du corps. Les paumes des mains sont dirigées vers le ciel. Les pointes des pieds vont vers l'extérieur. Vous sentez les effets. Si vous avez une tension, essayez d'y envoyer votre expiration, détendre. Retrouvez une respiration calme, tranquille, posée, bienfaisante. Pratiquer Apanasana avec une petite variante. Je vais mettre expire. Je vous invite à ramener les genoux. Inspire, je monte les jambes, les pieds vers le ciel. Les bras, les mains viennent se déposer loin derrière la tête. Sur l'expire, les pointes des pieds se dirigent vers mon visage, les pointes des pieds uniquement. Sur l'inspire, les pointes des pieds filent vers le ciel. Inspire, je mets les genoux vers la poitrine. Je vais déposer sur chaque genou. Je guide.
Merci de l'intelligence des pieds vers le ciel. Les bras des mains viennent se déposer loin de la tête. Expire. Pointe des pieds vers le visage. Inspire, pointe des pieds vers le ciel. Expire, emmène les genoux vers la poitrine. Les mains viennent se redéposer. J'inspire sur place. J'expire sur place. Inspire, je monte les pieds, je gratte les mains. Je viens de se placer l'un derrière la tête. Expire, pointe les pieds vers le visage. Inspire, pointe les pieds vers le ciel. Expire, je remets les pieds vers la patrouille. Là, je vais se placer sur les pieds. Ne forcez rien. Essayez de respirer calmement. Terminer à votre aise. Ensuite, vous pourrez de nouveau vous allonger en Shavasana comme tout à l'heure. Les bras légèrement écartés du corps, les paumes des mains dirigées vers le ciel, les pointes des pieds vont vers l'extérieur. Fermez les yeux, respirez calmement. Idées, vous pouvez placer une main sur le ventre, une main sur la poitrine. C'est pas une obligation, c'est simplement pour mieux ressentir le sens de votre respiration. Votre poitrine qui se gonfle à l'inspire, puis le ventre. Votre ventre qui se dégonfle à l'expire, puis votre poitrine. Je vous invite à imaginer que vous respirez dans vos pieds qui se gonflent à l'inspire, qui se dégonflent à l'expire. À respirer dans vos mollets, qui à leur tour se gonflent et se dégonflent. Et à chaque expire, vous laissez partir les tensions qui pourraient se trouver à cet endroit. Respirez dans vos cuisses. Respirez dans votre bas-ventre. Respirez dans votre ventre. Se gonfle à l'inspire, se dégonfle à l'expire. Respirez dans tout votre thorax, dans tout votre tronc, autant devant que derrière, dans le dos. À l'inspire, vos côtes s'ouvrent comme les baleines d'un parapluie. Et à l'expire, reviennent prendre leur place. Respirez dans vos épaules. Respirez des épaules jusqu'au coude. Respirez du coude jusqu'au poignet.
guidez dans vos mains jusqu'au bout des doigts. Il se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. Respirez du bout des doigts jusqu'aux épaules. À l'inspire, l'air entre par le bout des doigts, monte jusqu'aux épaules. Et à l'expire, redescend jusqu'au bout des doigts en emportant toutes les tensions. Respirez dans votre cou, dans votre gorge. Respirez dans vos joues, dans tout votre visage, jusque dans les oreilles. Respirez facilement dans votre nez. L'air frais entre à l'inspire et l'air plus chaud s'en va à l'expire. Respirez dans vos yeux. Ils se gonflent à l'inspire, ils se dégonflent à l'expire. Respirez dans tout votre crâne, tout le haut de la tête, jusqu'à la pointe des cheveux. Levez ainsi, scannez tout votre corps, partie par partie, membre par membre, en essayant d'éliminer toutes les tensions à chaque expiration. Je vous invite doucement à reprendre contact avec les bruits extérieurs. À vous étirer, à bâiller si nécessaire. À doucement rouvrir les yeux. Et enfin, quand vous le désirez, à passer par un de vos côtés pour revenir en position assise, par un de vos côtés pour ne pas vous faire mal. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que surtout vous n'avez mal nulle part, que au contraire, que le fait de solliciter certains membres, certains muscles qui souvent sont endormis depuis longtemps vous aura fait du bien. Et je suis vraiment content d'avoir animé cette séance de yoga pour vous. J'espère qu'on se reverra dans ces jours, à bientôt. On se tient bien droit. Comme on dit à certains enfants, mais ça fonctionne aussi avec les adultes, le petit fil magique qui nous tire vers le ciel. Et on se remercie de façon yogique. Sur un inspire, on monte le bras par les côtés, on vient joindre les mains. Sur l'expire, on les ramène doucement au niveau de la poitrine. On se dit Namasté. Merci beaucoup.